Hop là, alors nous voilà repartis. Ce coup-ci sur War Thunder. Alors, faut juste que je trouve où modifier truc graphique, option de jeu. Pink, ça on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Bah, voilà, c'est la résolution. Voilà. Bon, je sais pas trop, est-ce qu'on se la fait en mode World of Tanks? Ou est-ce qu'on se la fait en mode War Thunder vraiment, quoi? Je pense que je vais plus. Pourquoi ils sont grisés ceux-là? Ok, bon. Ok, événement et tournoi, qu'est-ce qu'on a en événement et tournoi? Tank tournoi 4-4. Aviation, blue and blue, c'est quoi ça? Ok, c'est américain contre américain et en char aussi. Ah, ils ont un peu changé les ils ont un peu changé les trucs, c'est plutôt pas mal fait comme ça. Ouais, non, ça c'est pour acheter un avion de secours, on s'en bat les couilles, du coup. Non, on va pas aller sur une bataille de chars, on va aller sur une bataille aérienne. Voilà. Hop là, on est parti. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas joué. Ça va être drôle. On va commencer à ces missions d'aviation avec l'aéroport ennemi. Bah, du coup, on va commencer avec le bombardier. En fait, je vais me faire une séance des bombardiers, je pense. Ah, parce qu'on a des ailes. Alors. Voilà, c'était ça que je cherchais. Donc, c'est bon. Apparemment, les mecs ont pas l'air de venir sur moi.
coup on va en profiter, parce qu'il n'a pas l'air de pouvoir venir. Putain, je vais même pas arriver à faire un putain de bombardement, quoi. Eh merde. Oh là, je suis complet. Depuis tout à l'heure, je me fais chier avec mon truc pour ça, quoi. Eux, ils nous ont défoncé apparemment, il y a déjà deux points qui sont éclatés. Ah, mort de rire, le truc il m'a défoncé en 2-2 quoi. Ouais, bon, faut vraiment que je retrouve mes habitudes là, parce que franchement... Je sais pas ce qu'il y a en face, mais... Pourtant, vis-à-vis des niveaux, Là, le player véhicule battle avant ici. Ouais, il est en... Je comprends pas. Ouais, bref. Allez, vite. Enfin, on est en train de se faire des pop, y'a personne chez nous qui réagit, c'est la fête.
Après, j'ai pas encore assez de portée. Putain, mais ils ont modifié la portée des tirs ou quoi? Avant, il me semblait que je pouvais toucher. Attends, mais t'es sérieux? Même aussi près, je peux pas le toucher. Le mec a cru qu'il allait m'avoir en passant comme ça, quoi. Mort de rire, les mecs me touchent deux fois et ils me défoncent, quoi. Allez, mort de rire. Je peux rien faire, quoi. C'est un truc de ouf. Alors, soit je suis devenu juste super mauvais, soit j'arrive vraiment à rien. Ah, et puis j'ai des micro lags là, ça commence à m'énerver ça aussi. Ah, je n'ai pas tué un seul, j'ai pas fait d'aide, ouais, je suis dernier quoi. Tout ce que j'ai fait c'est crever quoi. Ouais, bah une bataille où j'ai absolument rien fait, quoi. Je crois que le mec il m'aurait calculé, non. Bon, en tout cas, c'est la marde. Thank you.
On est reparti pour une bataille en espérant faire plus qu'un kill ce coup-ci. Ça pourrait être pas mal. Putain, c'est encore une mission de destruction. Mort de rire, le truc me fume en 2-2 quoi, c'est n'importe quoi. C'est quoi ce délire là? Je me fais fumer en 2 secondes. Allez, un truc que j'ai zappé de faire aussi, c'était peut-être ça. On va passer en... Hop. Nouveau redémarrage du client. Ok, d'accord. Bon. On va encore galérer avec... avec de faibles FPS pour le moment. Bon, au moins j'aurais fait une base ennemie. Putain, mais j'ai des lags, c'est affreux. Ah, je suis dessus, panique pas. Oh putain, fuck.
Je vais tenter de faire une attaque sur le coin de gauche là. J'ai 50 secondes avant de devoir tourner. Je tourne par là, ça ira mieux. Zone détruite, on va se vendre. Il reste 13 secondes, du coup. J'aimerais bien descendre en dessous des nuages parce que là je vois vraiment que dalle. Putain, mais je vois que dalle quoi. Putain, mais c'est affreux. En plus, avec ces lacs de merde.
Ah, du coup, j'ai tout fait pour me casser la gueule sur son aérodrome de merde là. Mais ouais, c'est chaud. On voit vraiment que dalle quoi. Avec mes histoires de lag bizarre là, je me tape 215 de ping, je tourne à 20 fps quoi, c'est un peu. Et je vois que dalle quoi. Et si ça lag, c'est normal, c'est mon jeu qui lag en fait. C'est, je sais pas pourquoi là. Là je suis à 18 fps quoi, c'est mort de rire. Putain, et puis les nuages c'est affreux quoi, on voit vraiment que dalle. Faut pas que je tente une approche basse sinon je vais me faire défoncer. C'est passé quoi là? Je me suis écrasé. Lol. Alors ça je kiffe quoi, qu'on me dise que je me suis écrasé comme ça, gratuit. Est-ce que j'ai un truc idéal? Non, j'ai rien qui idéal. Relance le jeu là après parce que c'est vraiment catastrophique. Je comprends pas parce que enfin c'était mes réglages de base et j'avais pas ce souci là avant quoi. Je suis à 2000 mètres mais pour peu que j'ai une montagne devant moi je suis dans la merde quoi. LOL! C'est quoi ce délire? Le mec il me tue d'un coup là, comme ça, normal! Vas-y, bah c'est pas grave, de toute façon j'ai plus d'avion, je vais en profiter pour relancer là le truc, parce que c'est juste injouable avec autant de lag. Battle Trophy. LOL, j'ai des avions de secours quoi, mais mort de rire. Ok, super. Ça c'est de la reward. Du coup, menu paramètres. Non, c'est pas paramètres. Option de jeu. Alors, il y a des trucs qui chient dans la colle, grave. Alors, qu'est-ce que c'est? Filtre anisotropique. Attends, je vais aller en mode personnalisé parce que. Voilà. Désactive. Ça, qualité haute, haute, haute. Ok, ok. V5. On s'en fout, rive avancée, on s'en fout, les ombres, à la limite, on s'en branle aussi. Tac, 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 sous des ombres, ok, qualité reflet de l'eau, pire, on peut baisser. Distance de l'herbe, on s'en fout, densité des particules. Ah tiens,
Ça tombe bien. J'avais pas vu que j'avais ça à prendre. Revêtement. Ok. On va rechercher dans le moteur. Bon, du coup, on a là, pas l'air trop mal. On va en profiter pour redémarrer. De quoi, je me suis fait défoncer. T'es arrivé après la guerre, toi. T'es arrivé après la guerre, en vrai. Parce que je me suis fait deux bases et j'ai commencé à pilonner leur piste et j'ai buté un ou deux mecs au passage. Et pourquoi tu me dis je joue à Total War 2? Je comprends pas le joue à Total War 2. Hein? Ouais? De quoi? De quoi? Mais je comprends pas ton délire, joue à Total War 2. C'est un Total War 2? Mais c'est quoi ton Total War 2? Un Total War 2. Ah, mais je l'ai pas installé. Tu l'as pas installé? Non, non, je l'ai pas installé là. Qui était, il est gratuit pendant le week-end. Alors j'en ai profité. Ah, quand c'est comme ça, faut le dire, les gens. Parce que, attends, je vais rigoler, mais. Ah, parce que moi, je l'avais acheté Total War, Rome 2. Donc, moi, je l'avais acheté, mais. À mon avis, il va. Ah, 25 gigas, ouais, laisse tomber 6 heures. Là, je l'ai essayé, je préfère Shogun, quoi. C'est. Même gestion des cités. Ah, t'es fou. Shogun, il est trop petit. Oh, je trouve ça trop grand. Ouais, Shogun, mais justement, là, c'est trop grand, t'as trop de trucs, y'a plein de trucs, plein de ressources différentes, c'est un peu le bordel. T'es fou, j'ai une campagne. Non, mais après, ça, c'est le temps de Tifer. Hein. Mais j'ai une campagne avec les Égyptiens, mon gars, c'est juste un truc de ouf. En fait, j'ai trois campagnes. J'ai une avec les Égyptiens, une avec les Gaulois et une avec les Romains. Et celle où j'avance le mieux, ça reste les Égyptiens. Et prends les éléphants. Et les chars. Non, ouais, c'est les chars. Il n'y a pas d'éléphants avec les Égyptiens. Je crois pas. Je crois pas qu'ils aient les éléphants montés, je sais plus. Mais il me semble pas. Mais ouais, putain, tu m'aurais dit ça hier soir, je l'aurais mis cette nuit à DL, quoi. Pire, je le mettrais cette nuit, hein, et puis on en fera demain. Hein. En vrai, faut que tu m'expliques un peu, parce que franchement, t'as des trucs. Je sais pas, j'ai trouvé mal foutu. Ah, pourtant t'es fou, il est juste super complet, quoi. Ah bah c'est sûr que par rapport à un Shogun 2, ça a rien à voir. Je suis totalement paumé, même en termes des unités, elles se touchent. Elles se touchent, tout simplement. J'ai l'impression qu'elles se touchent. Ah mais après c'est tes unités du début, faut vraiment bien construire les bons bâtiments pour avoir tes unités pour que ensuite au lieu d'avoir à les upgrade au fur et à mesure toi-même en fait les upgrade manuellement que quand en gros tu recrutes une unité bah du coup elle sera upgrade direct. Mais faut construire les bons bâtiments et tout quoi. Parce que dans le prologue t'as rien de mec qui est expliqué hein, tu fais passer 3 épisodes et après c'est allez bonne chance. Ouais. Putain, c'est con, 25 gigas. Je vais baisser le son. Quel truc, je sais même pas ce que ça sert quoi. Son. Volume. Ok. Attends, faut prendre. Mais ah ouais, vous auriez dû me le dire que vous aviez installé ROM 2 quoi. Du coup, c'est les rizières. Alors, j'ai mon bombardier. On va direct aller se cacher par là-bas.
C'était pas l'époque du mur. Je crois ouais, pas. bah, il apparaît quand c'était en vrai 400, ouais, 200, ouais. Mais t'as plein de trucs sans t'expliquer, t'as des bâtiments, tu sais même pas ce que ça veut dire, quoi. Putain, j'ai un mec juste au-dessus de moi là qui va faire chier. Ils sont comment les Gaulois là, les mecs de chez Brigna? Les mecs de chez Britannia. Je sais pas, j'ai pas joué avec eux. C'était les Arvernes. Ok, lui il a défoncé. Ça parce que tu vois, t'as plein de trucs qu'on peut expliquer, mais. Par exemple, hein. Déjà, je comprends pas. L'ordre. Les villageois ils sont jamais contents, ça part en guerre civile en permanence. Non. Non, alors il y a un truc à savoir, capture jamais deux villes sur le même tour. Quand même. Non, mais ça c'est super important. Faut absolument pas capturer deux villes sur le même tour parce que sinon, tes villageois ils vont être vénères et ils vont foutre la merde. Ah, mais même chez les capitales, enfin, tu vois leur le truc c'est moins 90 ou t'as rencontré comme ça. Non, mais ils sont sérieux là. Ouais, c'est qu'il y a un truc. Faut que tu regardes par rapport à leurs besoins aussi. Et où est-ce que tu vois leurs besoins? Par rapport au truc de bouffe, normalement, quand tu cliques sur la ville, je crois, il y a un truc à droite qui t'affiche à peu près les besoins qu'ils ont. Facteur favorisant. Personnages, taxes, esclaves, factions, présence militaire. Sur 0. Putain, mais il veut pas me lâcher le tas. Alors c'est ça, c'est quoi Karmazemra? 300 de richesses provenant de la subsistance. C'est quoi? Alors là je sais plus. Le problème c'est de pas l'avoir sous les yeux, comme ça là c'est chaud. Parce que t'as des richesses via l'agriculture, l'industrie, là. Et c'est quoi ça? 300 de richesses provenant de la subsistance, tu sais pas ce que c'est? Mais moi je suis paumé! Lala. Putain, sur toute la Loire, t'es pas sur le truc, tout est expliqué hein! Bâtiment public. Enceinte sacrée. Enclos. Enfin, de la poste à boîte. En gros, tu passes ton premier pour que tu commences à améliorer ta capitale. On te donne, gentiment. Je commence à déplacer ton question tranquillement, à nouveau. Mais franchement, t'as des trucs qui manquent quoi. Putain, je sais pas comment j'ai réussi à détruire l'avion, mais. J'ai détruit l'avion ennemi, mais alors je pourrais jamais rentrer à la base. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Elle! J'ai posé mon avion sur un flanc de montagne à moitié explosé. Alors je peux en reprendre un ou passer à un autre. Tiens, vas-y, je vais passer à un autre. Ah ouais, il y en a qui sont 6 km en haut quoi.
Ah, mais ils se font la guerre en haut. Ah, le problème, ouais, faudrait que j'ai le visuel dessus pour. Ouais, parce que Rami, il est en France, c'est trop n'importe quoi. Mais là, le mec, il me touche une fois, il me tue, quoi. Ouais, j'ai jamais vu aussi des espions aussi efficaces sur le jeu. Après, c'est pareil, ça dépend des fois, ils sont pas forcément. Oh putain, bah je sais pas, ils tout le temps les conneries. Hein. Ah, je suis fou. Hein. Quand je vois qu'ils assassinent le général et compagnie, il y a 3% de chance. Je suis là, what the fuck, quoi. À 3% de chance? Ouais? T'as vraiment un château, hein, parce que moi, du moment que j'arrive pas dans les 50-55%, c'est chaud. Ou alors, ils ont peut-être corrigé les trucs depuis, mais. C'était chaud de buter les généraux. Mais où est-ce que c'est indiqué le nom de mission qui reste à buter, qui lance des projectiles? T'as C'est même pas. une barre bleue. T'as une barre bleue, il peut pas mettre un chiffre. T'as une première barre qui est la vie, et en dessous, il me semble, c'est une barre bleue qui descend progressivement. Mais dans celui-là, par contre, après, je sais pas s'ils l'ont modifié, mais dans celui-là, il y avait un truc qui était abusé, c'est que des batailles qui sont entre guillemets grave perdues, t'es sûr que tu les perds quand tu joues, tu sais, quand tu fais résolution auto là, t'es sûr que tu Oui. les perds. Quand tu les joues manuellement, t'es quasiment sûr de les gagner, quoi. Ah oui, j'ai vu ça, je les ai joués, j'étais en train d'halluciner. Genre, mais même des batailles à la con. Hein. J'aurais dit, Théo, allez, merci pour le follow. vous avez 3 unités contre 2000. Il dit, ouais, aucune chance de gagner. Je lui dis, non, bah, attends, on va Salut voir à ça, si on toi. peut pas gagner. Tu joues, tu gagnes. Il dit, d'accord, ok. Bon. Je me suis fait Non, niquer vraiment, là. c'est n'importe, c'est vrai que c'est un peu n'importe. La résolution auto, à part si t'es en 50 000 versus 100, non, tu les gagnes pas, quoi, les résolutions. Ah si, t'es un ouf. Si, la résolution auto, elles sont assez bien faites à ce niveau-là. Hein. Bah, je sais pas, mec, pourtant, t'as plein de fois, il disait que t'en avais aucune, tu l'as joué et tu gagnes, quoi. Ça devient stupide, quand même. Je me souviens, la dernière résolution que j'ai faite, j'avais 1000 hommes pour 2004. Et j'ai gagné la bataille, et il disait que j'avais aucune chance de gagner. Non mais ça ouais quand tu si tu la fais en manuel, celle-là tu la gagnes, tu la fais en Oui, résolution c'est bien du auto, ouais auto. tu la perdras mais. Ouais, c'est bien ce que je suis en train de dire. Voilà, par C'est ce exemple, que je t'ai expliqué tout à l'heure aussi. il me dit là que je gagnais, c'est impossible de gagner, alors qu'armée, il y a quoi? Il y a 200 hommes de différence, quoi. What the fuck? RE, Ça, je peux pas dire. Quoi? Ça aide. Comment t'as réussi à mettre War Thunder toi en jeu? LAL! Bah, je sais T'es pas, pas en DS? bah, j'ai juste cliqué sur le truc. T'as un truc qui s'appelle Ace War Thunder. En fait, Mais moi ça prenait pas! quand t'es sur le menu du garage là, en fait, tu te le mets et puis c'est bon. Enfin, moi, c'est passé nickel, hein. Moi me le prenez pas, con là. Ouais, je sais pas, bizarre. En plus, c'est que moi chez moi en stream, il va bien rendre ce con. Comment tu fais pour ces cons qui, genre, ils te rejoignent en disant une confédération? Je connais, c'est un membre de ma famille, j'essaie de. Je suis allé en Certes Capital, je demande un traité de paix, il dit non. Ah bah, non, mais là, faut que tu le finisses. Pour faire une coalition ou quoi, faut que t'aies déjà de base, faut avoir une certaine race. Après, faut améliorer à mort tes. En fait, faut que tu sois entre guillemets d'une même origine, quoi, ou d'une même religion. Ben là, on était de la même famille. Donc ouais, mais t'as dû chercher la merde avant, du coup. Ah non, je cherchais le trait de paix, j'essayais d'avoir des accords commerciaux, il m'a dit non. J'ai dit, ouais, tu me casses les couilles, et je déclare la guerre. Et j'ai été enculé. On va te finir. Un point, c'est tout. Je fais quoi? Je vais aider mes potes ou est-ce que je vais bombarder? Allez, vas-y, je vais les bombarder.
Ah, tu peux rien, on joue ensemble. Aïe. Ouais, bah ouais, ouais. Tu. Ah, mais tu vas me dire, le tien il est peut-être à jour. Parce que moi j'avais une. Bah ouais, mais. Ouais, c'est bon, c'est déjà fini. C'est ça. C'est pour ça, après je me suis dit, non, mais en fait ça sert à rien que je lui dise, il a une mise à jour lui, en une minute c'est plié. Ça fait 30 secondes de. Peut-être que j'ai fait une connerie là quand même, ils sont un peu beaucoup. Je crois que j'ai fait. Merde. Putain, y'a un P51 qui va me prendre en filature quoi. T'as un tiers combien? Là je suis en tiers 2 ou 3 je crois. Là par contre ce que j'ai bien de cool c'est les formations qu'ils proposent. Ouais, tout pas mal. Putain, il est à 1 km, j'aurais jamais le temps d'arriver au truc pour bombarder la zone. T'approches pas, enfoiré! C'est ton char? Ah, non, non, je parle à un avion qui est en train de me défoncer le cul. Ah bah voilà, chose faite. Ce serait bien que j'arrive à redresser l'avion avant de pouvoir sortir. Ouais, j'ai largué mes bombes avant, mais c'était manière de... Moi du coup je vais prendre mon bombardier. Il le trouve pas, c'est chaud mec. T'as pas un truc qui s'appelle Ace? Parce qu'au début je regardais, je le voyais pas et en fait il y a marqué Ace War Thunder. Tu sais, entre crochets là, Ace. Ah, je vais mettre sur le deuxième écran, comment c'est le jeu? Oh, même pas. C'est chelou que tu le trouves pas. Oh, mais j'avoue. Et je le mets en lancement de jeu. Ouais, en capture de jeu, ouais. Capture de jeu, bah il me trouve pas. Ah, mais... Même en faisant rafraîchir et tout, y'a rien du tout. Attends, j'ai peut-être une main. Parce que pour qu'il te le trouve pas, c'est chelou quand même. Venu. Enculé, il en cache pas trop. Graphique. Je suis bien en plein écran, 920. Putain, l'IAC 9 il va venir me défoncer. Est-ce qu'il va venir ou est-ce qu'il va pas? Waouh. Bah allez, j'ai même pas le temps de tirer que je me fais défoncer quoi. Ah, faut avoir un peu de skill là. Ah, mais là c'est même pas question de skill, c'est que je suis en bombardier, les mecs ils ont des P51, des P38, je suis solo, je peux rien faire. Les mecs ils arrivent, ils me tirent deux coups dessus, ça y est mon avion il est dead. Ouais, je suis en T2, T3. Ouais. Et sur ce Total War, tu dis que tu détruis la formation de tes soldats pour pénétrer un peu plus les mecs, pour rentrer dans leur rang ou pas? Détruire la formation pour pénétrer dans les rangs. Oui, tu sais, tu peux rester en formation de base, même sur le charge, ou comme ça. Ouais, bah après, les formations, ouais, forcément, je crois qu'il y a des petits bonus. Après, c'est en restant, je crois, sur le truc de la formation, je crois que ça affiche un peu les bonus à gauche. Pourquoi il m'affiche pas ce truc? C'est un truc de jeu, quoi. Je peux pas le jouer dans la liste. C'est ça que je piche pas, pourquoi moi il me le trouve, il me l'a trouvé du premier coup, tu vois. Viens là, on va arrêter de 38G. Putain, il passe trop vite. Ah, mais lol, j'ai qu'une bombe avec celui-là. Ah, oh, ça va être très bien. De le prendre en mode fenêtré, tant pis, hein, mode fenêtré et. En jeu, en fenêtre. Capture de fenêtre. Ouais, au pire.
Mais enfin, ça me semble bizarre, quoi, parce que je te dis, moi, en capture de jeu, il apparaît direct. Hein. Et là, je vois, capture de fenêtre, voir peut-être pas. Ah ouais? Bon, il y en a déjà un de moins sur la Terre. Ah ouais, j'ai fait un face à face avec un PBJ, je me suis fait éclater quoi. Et là, du coup, là, il te le prend quoi. Il me le prend très mal. Je sais plus, est-ce que j'ai des bombes avec lui? Non. Ah ouais, non, lui c'est vraiment un avion d'assaut. Ok, comme ça aussi, je suis mort d'être folle. T'es sérieux, je... Putain, c'est quoi ce délire? Oh putain, qu'est-ce qu'ils m'ont touché pour que j'arrive pas à redresser là? Oh putain, ils m'ont niqué un bidel. Putain, ça va être impossible de relever. Si, c'est bon. Normalement, ton poids est dans votre fenêtre, je vais t'en manger, il est fort. Bah, normalement, ouais. Enfin, moi, c'est comme ça qu'il le prend, quoi. Et quand je le mets en plein écran, bah, il demande de le mettre sur votre fenêtre. Pourquoi moi il veut bien et toi il veut pas? Ils m'ont proposé un prêt et ils m'ont donné des cols. Ok. Ça fait des motifs sur Mort Thunder là, tu peux faire un coup de micro là. Tu peux quoi? Monter et tout, châssis. Ah ouais, tu peux regarder, ouais, rayon X, ton avion, tu peux regarder l'armure aussi. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, ouais. L'écran... B... synchro... off...
Je l'ai installé comment ton Wartender? Il y a Steam? Ouais, enfin, mais après c'est le launcher quoi. Après c'est le launcher normal, le launcher. Ouais, c'est ça. Le Chrome, Steam. Mais là, ils nous ont défoncé nos trois bases directes. Mes collègues, ils s'occupent même pas des bases ennemies. Enfin... Ouais. Pour une nouvelle scène peut-être. Je l'ai touché, mais apparemment j'ai pas dû suffisamment le toucher. Si je l'ai touché assez. C'est écrasé, donc c'est cool. Pour lui, c'est pas un jeu. Lol. Pourquoi pour le mien c'est un jeu, pour le tien c'est pas un jeu? Mais sur OBS. Ah bah ouais. J'ai la version 0651B. Moi aussi. Vas-y, je suis en train de caca, tu me dis tout. Bon, vas-y. Bataille finie, allez hop. Retour en gare. Style cool, ready to fight. Moi, je suis dégoûté, j'ai pas vraiment. Ouais, parce que. Parce que, ouais, sur mon PS. La mission est en cours, ok. Tac. Alors, quand je fais un truc de. Alors, source, propriété. Étirer l'image à l'écran. Capturer le curseur, ça on s'en fout.
Sélectionner l'application, ouais, c'est Ace de points Assassinat à War Thunder. 23%. Et tu l'as goûté? Ah, c'est chelou ça. Ah, parce que moi je le vois. Hein. Ouais, du tout. Dans application, là, il me met rien. Ça se fait que toi, tu n'es pas comment me lever. Il me met rien. J'ai une capture de fenêtre, vraiment. Voilà. Alors, il faut que je mette, faudrait que je mette le jeu en fenêtre. Je sais même pas si je pourrais avoir des grosses chutes de FPS, à mon avis. Ou en mode fenêtre plus le stream. En mode fenêtre plus le stream? Non, non, non. Non, ça va. Moi j'arrive à le faire. Donc. Tiens, mais j'avais pas. Oui, c'est ma pochette. Bonjour. Quand je vais faire le test, on verra bien. Après. Capture d'être. Elle me le trouve. Chute de FPS. Alors là, il y a un truc qu'il faut m'expliquer. Ah, C'est mais que j'ai des j'ai chutes de FPS là aussi. t'es sûr que le jeu, parce que moi en fait, c'est j'avais des délires aussi, c'était parce que mon jeu était niveau graphique, enfin trop abusé quoi. C'était trop élevé. Il a fallu Alors que mais je quand je joue, je touche. recorrige. Je touche comme ça aussi. Bah moi aussi, hein, j'avais toujours joué avec la config que j'avais avant, sans lag, sans rien. Hein, mais là, je suis revenu dessus, je voyais 19-20 FPS. Ça a fait ouais, c'est quoi ce délire? Et ça se voyait Moi sur je le stream. prends un. Ça lagouillait, tu vois, et du coup j'ai rechangé mes trucs, tu vois, mais juste en enlevant 2-3 conneries, tu vois, t'enlèves le anisotrope, tu enlèves le FX HD là, t'enlèves les ombres et voilà, tu vois, c'est. Enfin là maintenant je tourne à 60, 50, 60 FPS quoi. Ah, il est dégueulasse. Par rapport à leur config, je vais me mettre en haute. C'est
parce que là, moi, je me suis. En fait, là, maintenant, moi, du coup, je suis en personnalisé. Mais à la base, j'étais en cinématographique, tu vois. Là, du coup, j'ai dû régler les trucs pour être tranquille, quoi. Je passe en haute. Haute, mais allumé sur un bouton, peut-être c'est pour. Merde, ça. User joined your channel. Yosh. Yo. Il existe pas le jeu sur le Thunder? Sur quoi? War Thunder, il existe pas. Sur quoi? Si si, tu l'as sur le truc Twitch. Hein. Ah, moi j'ai réussi à le mettre. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ah ouais, mais toi t'as du lourd en avion. Je dis toi t'as du lourd en avion. Pour ça j'ai du lourd. Bah je sais pas là, je vois le russe là que t'as là, c'est un T combien ça? Il y a deux. Ah non ouais, c'est du T3 ouais. Je dis toi t'as du lourd. Bon, mais j'ai pas joué beaucoup dessus, hein. J'ai joué vite. Non mais tu vois de gueule j'aurais dit tu vois que c'était un truc un peu plus élevé mais en fait. Les Russes. C'est quoi ton. On peut se manger avec ça? Ouais tu peux faire jouer avec des amis. Alors, moi, vite. Amis de Facebook, amis de Steam. Vous souhaitez ajouter les amis de Steam à votre liste. Oui. Mise à jour du profil. 10 amis ajoutés. Ok. Ouais, c'est cool, mais. Ouais, pourquoi la chaîne là, je suis en tier 3, je crois. Ouais, mais c'est pas grave, moi aussi j'ai des tier 3 là. J'ai 3 avions de tier 3 et je suis en recherche sur un T4. Mais je suis en tier 3 aussi, donc c'est bon. Prends pas la tête. Ajouter des amis, mise à jour du profil en ligne. Rechercher. Ton pseudo c'est sauce 59, je suppose. Je sais même pas, non, je sais même pas ce que j'ai. Je vois un sauce 59 en tout cas. 59. Tiens, tu vas me dire, je t'envoie une invite. Ok, c'est bon. Y a un mec qui est tombé sur mon stream. Il y a un mec que j'ai rencontré qui s'est sur Modern Warfare 2.
Sous 59, c'est le sens que je connais. Ah ouais, carrément quoi. Peu par frère, il m'a dit, mais tu m'avais jamais vu, tu as demandé à moi faire un peu, s'il te plaît. Ah ouais. Donc de dents. Je vais se montrer, ils m'ont fumé, ils m'ont dit, mais c'est quoi ce ton jeu encore? Pourquoi tu joues? Prêt. Voilà. Ah, si je me mets pas prêt, ça va pas le faire. Ça. Ouais, j'avoue, ouais. J'avoue, on risque pas trop d'y arriver. Quoi? Alors, c'est quoi? Domination aérienne? Ok. Donc, y a pas de bombardement à faire, quoi. C'est juste du défrayage, quoi. Peut-être, je vois. Bon, je vais. Mais en général, là, c'est à 2h en général. Putain, je sais plus lequel c'est avec mon enquête. Chasseur bombardier, la pire shit dans mon point de celui-là. S'il faut, je prendrai mon truc d'assaut plus tard. Ah, ok, je te vois avec lui sur 85. T'as un P400 qui te fonce droit dessus. Je vais essayer de couvrir ton cul, mais il te colle au cul. Putain, vous êtes trois dans une mêlée de rouge. Il m'a défoncé. Il m'a défoncé, putain. Ouais, moi j'ai réussi à défoncer un bombardier, mais c'était chaud. Oh putain, j'en ai. Ah non, ça a compté comme écrasé. Bon, techniquement, j'en ai eu deux. Avant de rendre l'âme. C'était content de voir jouer à Thunder, mais ça fait plaisir. J'avais pas écrit que tu connaissais déjà. Du coup, ils m'ont fait pop sur un bombardier. Là, je vais piquer sur sauce pour faire une cover. Je me fais rusher, mec. Où ce gars, t'as raison, t'as chier. Le texte sont 16 mec, il va me deux. Il va se checker pour la cour. Je suis déjà moins doux là. Ah ouais, c'est chaud. Les mecs sont chauds, là, je suis direct. Après ma première partie elle était chaude hein, de reprise. LOL. Non mec, des photos. Le mec il arrive, j'ai dit bah oui, il va passer dans le dos. En 2 secondes, là j'ai le correct monsieur. Ah non mais là il y en a un, il m'a mis un coup, il m'a tué quoi. Après tu vois, je pensais pas qu'il y avait, y avait des cheaters là-dessus aussi quoi. Mais sûr mec. Ah comme sur. Comme sur tous les jeux, c'est sûr, mais Attends, je sais pas, moi j'ai jamais eu. Les mecs avaient des AIM et tout. Ah ouais. Putain, je comprends pas que les mecs ils cheatent sur un jeu comme ça, quoi. Enfin, y'a pas d'intérêt, quoi. Par exemple, mec, je mets 2 hits là au. 37. Mais lol, vas-y, mais c'est quoi ces mecs qui te rentrent dedans, quoi? Genre lui ça lui compte le truc mais moi ça me compte rien du coup quoi. Allez, va le chercher, va le chercher, va le chercher. Putain. Bon il me reste il me reste deux avions. Bon, du coup j'ai sorti. Il est là. J'ai sorti l'avion d'assaut. Il est out. Je reste pas, ouais, je reste pas comme ça. Ah, mon avion, ah, j'ai. Ouais, en fait, il manque une avion. Il y avait un problème à un moment donné.
Ah ouais, du coup, ouais, si te manque une aile, c'est sûr que ça aide pas. Diriger. Oh putain, moi je suis... Ouais bah ça y est. Arrête, Alas. J'arrête pas de me faire défoncer là. C'est un truc de ouf. Ah je m'en fous, j'ai buté un mec, je crois. Oh, j'ai tué un mec. Allez, allez comme ça là. Ouais, t'en as eu un. Ouais. Pour l'instant, on est tous les deux à un. T'es mort 3 fois, je suis mort 4 fois. Il me reste plus mon I16, il me reste un I16 et un bombardier. Je peux plus que bombardier dans ce genre de jeu. Pression, deux secondes. Putain, mais les mecs, ils ont un vieux yak tout merdique qui te fonce dedans, normal quoi. C'est à toi d'essayer de les esquiver, sinon ils... Enfin, voilà. Collision, quoi. Collision land. Ah, pas encore, frère. Ah, le barbu, pas encore. Barbu Twitch. Toi aussi, t'es barbu, mec. T'as un dollar. On se fait une team. La team de barbu. Barbu and Co, tu sais. Barbu and Co. Quel projet. Vas-y, moi je fais un piqué sur un mec. T'as un faux rôle. Putain, moi j'ai fait un face à face avec 3 mecs, je sais pas comment je m'en suis sorti. Ouais, je vais te prendre un réveil. Aïe, bon bah ça y est, je suis dead. Adieu, monde cruel. Je sais pas où il est parti cet enfoiré. Ah putain. Dans le dos, toi. Mais c'est pas possible, y'a pas que T3 en face. Putain, j'ai plus que mon bombardier quoi. Adieu, monde cruel. Et il faut me rentrer dans ce coin. Il a voulu me rentrer dedans. Ah non, mais les mecs ils sont sentiers quoi, c'est. On défend ça. On a plus stream sur ce jeu. Oh, il est cool ce jeu. Ouais, je vais pas te dire que je vais stream tout le genre de jeu. Là, j'ai une petite heure à passer quand même. La femme qui regarde un truc pourri. Quoi? Bah, tu sais. Si je vais avec. Non, non, je vais rester avec toi là, mais là, c'est pas possible. Arthur et les Big Boys, c'est pas tout. Ah ouais, dur. Ah ouais, c'est dur. Putain, mon avion il est en feu, mais je continue. Je lâche pas le steak. Oh là 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 là, tout le monde que j'ai derrière moi quoi. Il me lâche pas sur quoi. Ça va que j'avais des avions de sauvegarde, sinon ça fait un moment que je serais obligé de regarder. Ah, ah bah voilà, c'est... J'aime pas trop les trucs comme ça, je préfère avec les objectifs au sol. Bien sûr, j'ai un peu. Bon, je vous le dis, les mecs, hein, c'est la première game que j'ai fait depuis. Les mecs qui stream dessus. Déconne avec, comme il me restait une heure avant de manger. Vas-y. Permet l'installation de 1000 lbs de bombes. Ouais, ouais, pas mal. Vous avez une bonne qualité d'image sur le script. Vous avez pas trop de lag, etc. Ah, ok, c'est bon. T'es propre, ouais. Quoi. Ouais, genre. Attends, je veux juste vérifier un truc là au niveau de ma recherche, voir où ça en est du coup. Salut, Jude. Voilà, je suis encore assez loin du truc. Oh.
Hop, hop, allez, on est reparti. Dommage, il y a un écran piqué et tout. Il est resté, je vais laisser pour l'achat. Hein? Ouais, et alors? Et demain, on va pas caler. J'ai juste le mercredi. Ah, c'est de la capture là. Ouais, ça va être drôle. Ça va être drôle. Bon, vas-y, je vais aller sur A direct hein, sur les roues. Ok, parfait. Tout cool, hein, tout pas mal, bête. Je vais être la dernière streamer FR sur un. Quartenor. Ah bah là ouais du coup ouais, on doit pas être beaucoup. Rétracter le train d'atterrissage, pourquoi je voudrais faire ça? Je veux me poser. Pas trop vite mec. Oh je suis à 500 km heure ouais j'avoue. J'ai fait un passage rase-motte mais c'est pas grave, je vais refaire un deuxième passage. Par contre, je risque de me taper des gens sur le cul. Quoi. Oh, mais l'autre. J'ai réussi à capturer A, mais c'est chaud, faut que je reparte en 2-2. Y'a personne sur toi là. Bah ouais, y'en a. Ouais, non, ça va. Y'a un Spitfire, mais des loin. Ouais, ouais, sur un 2 km. Ah, mais c'est bon là. Wouah, décolle ta race. Ah, c'est bon. Ouais, je l'ai vu, ouais. De toute façon, le temps que je. Ah, faut que je reprenne de l'altitude et de la vitesse du coup. Hop, si je mettais les volets en mode combat, c'est rien. J'arrive, ouais, je le vois, ouais. Non, c'est bon, il t'a lâché. Non, c'est pour le coup le filer. Ah, je prends pas. Là, le truc, il me rentre dedans, quoi. Bon, bah. Je crois qu'il va falloir que je me pose pour réparer, moi. J'ai pas trop le choix. Oh putain, j'ai plus de mode. Al PD, putain, non. On dirait un gosse qui joue. Je me suis fait défoncer alors que je voulais atterrir. Les 25, je vais le défoncer. Bon, l'avantage c'est qu'on tient la capture de A et C quoi. Je te sauver, mais je vais aller chercher. Après, qui est grand jour. Tu fais quoi? Tu vas sur B là? Oh, j'ai dit. Ah, mais 25? Ah, ouais, ok, ouais, je vais voir. Pire, si tu veux, il y a que deux avions sur A si tu veux venir te poser pour réparer. J'arrive pas sur A. Enfin, il y en aura plus qu'un. Ouais, il est à nous là. Par contre, t'as un mec derrière toi, ouais. Continue. Ouais. Je suis à 3 km. Ah, vas-y, mais là t'es bien parce qu'il est en train de faire de la merde. Normalement tu vas arriver derrière.
rapproche. Ouais, GG, ouais. Bim. Donc, vu qu'il a bonne fire, il va me rusher. Ah, mon moteur est mort. Ah, mon moteur, il est mort. Attends, comment tu sors le train déjà? GGG, la touche G. T'as pas moyen de redresser légèrement, non? Que je vais réussir à me poser les jambes. Parce que si tu continues, la base B elle est vraiment pas loin. Ah, je me suis posé. Tu vois, la base B là elle est là où je vais, franchement elle est pas loin. Il y a première colline. Mais je me suis posé. Considéré comme étant un je pense. Voilà, tu vois le rêve. Parce que là, je suis. Considéré comme étant écrasé. Ah ouais? Ouais. Le balai, parce que ce jeu, ouais, presque. À des forces. Franchement, c'est le jeu de la j'ai accroché. C'est un mélange, c'est pareil. Ça joue beaucoup de FPS, c'est pas possible dessus. La prise en main des amours est assez, elle est assez rapide. La petite arcade. LOL! Oh le con! Ils ont pris le B, ils ont pris le B, ils ont pris le B! Ah, c'est C, ouais. Moi j'étais sur B, j'allais le prendre, mais. J'ai fait le trou de balle. Mais alors, le trou de balle, quoi. J'étais en rase mode, j'ai lâché une bombe, ça allait, mais la deuxième, en fait, elle a pété trop près, ce qui fait que j'ai pété avec. Du coup, j'arrive avec le bombardier, là. J'ai vu, il y a une grosse colonne qui vient de B, là. Je vais aller péter la colonne de véhicule. Et si je peux récupérer B au passage, je vais pas me gêner. D'un BF là. Et prends ton hit. Pourquoi j'ai le poids de moi? Je pense que je suis pas derrière. Je peux cliquer mon truc pour après me shooter. Non, c'est pas grave. C'est pas ce mec. Change. Il va chiffonner. Mais je passe à 16. C'est une smart en fait. On va récupérer une B en fait là. Ils sont tous en... Oh, les mecs sont tous en C. En A, mais ils prennent pas une B le C je pense. Bah, il y a un mec qui était avec moi là vers B, mais je crois qu'il s'est fait défoncer. Il y a un beau fighter et un mid 3. Et il y a un BF 109 qui est pas loin de moi, parce que là je suis juste au-dessus de B moi, mais le problème c'est qu'avec mon bombardier je risque de me faire éclater, quoique non, ils ont même pas apparemment ils ont pas envie de me faire éclater. Il y a trop de monde, ils sont tous sur le point, c'est un paille, alors que les deux. Allez, écoute, bah, il y a personne qui a envie de venir me voir. Du coup, je vais couper le moteur. Je vais faire un truc de ouf. Après, ça passe, ça passe. Si ça passe pas, tant pis. Tu vas où, toi? Ah, bah, c'est je suis en phase d'approche pour atterrir sur B. C'est quoi ça, P47D? Je connais pas ça. D, boîte en one shot. Putain, mais là. Je me suis fait éclater. Mettre beaucoup de temps à s'afficher.
paradis, mais... Il n'y a juste plus que deux pour sortir la wagon. Les points, là, je regarde les points, les points. Ah, c'est pour ça que là je retourne sur A, parce qu'on a plus qu'un mec présent sur le point A. Qui a l'air d'avoir pas mal de monde entre A et B. Quoi. Si j'arrive à me faire le MiG 3, c'est propre. Voilà, le MiG 3 il est dead. Par contre, j'ai le moteur en feu. On a pris le point, on a pris le point. Ah c'est bon, c'est gagné, GG. Je fais des flips avec un bombardier. Qu'est-ce que moi j'ai un moteur en feu. J'ai un deuxième. Ah bah voilà. Yes la merde, moi j'ai pas du c'est Twitch. Après moi je te dis moi, la qualité de mon stream, je l'ai pas touché. J'ai aucune conflit, à part que je suis passé en force. Mais ça m'a redonné. Et je pense que tu l'avais déjà vu en soirée, ça déconne pas. Les heures où il y a du monde sur Twitch, de manière aléatoire, les gens ils sont limités sur. Rien du tout, mec. On refait une dernière ou quoi? Ouais, moi je suis ok. J'ai quand même réussi à ramener 8 personnes sur Warthender. Ah t'as 8 moi j'en ai 4. Après oui. Bien, voilà, le coup de scroller. Après je vais aller me faire à manger aussi. Parce que 21h30. Ah, moi j'ai compris, mec. J'espère que j'ai la dalle. Ah, mais là j'ai mon voisin aussi qui fait le ramadan. Ça fait quoi? Ça fait une demi-heure que j'ai senti. Tu vois, je sais, chez lui la bouffe elle est prête aussi. Ah, t'es fou, il m'a donné trop faim de tout à l'heure. Une de ces odeurs là, je sais pas ce qu'il faisait, mais ça sentait trop bon. Quoi. Ah, ça, mec, hein. T'as mangé quoi, toi? Cassoulet? Non, je pense que ça va être du colin à l'oseille. Ça pue le mec qui a acheté une barquette surgelée. Je te jure. Sur la bordelaise. Avec des haricots verts, je pense. Je pense que ça paraît pas mal. Putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi son avion à lui? Attends, même avec mes volets sortis en mode combat, j'arrive pas à tourner aussi vite. Ah, et puis putain, faut qu'il y en ait un qui vienne me périèche. Mais c'est quoi ce délire? Les mecs ils te mettent. Putain, moi je me suis fait éclater encore, quoi. Mais il y a des trucs que je comprends pas. Y'a que 9, il est mort, je suis bien. Y'a certains. À mon avis, il est mort. Certains mecs qui te mettent des hits, c'est un truc de ouf quoi. Ils te touchent une fois, c'est bon, t'es dead. Cherche un IL-4 là. Oh là là. Je viens de pop en haut, à ta hauteur, tu vois. Tu regardes le bordel que c'est en bas, ça fait peur. Ah, du coup, je suis en train de me ramener vers toi. Là. Oh là là, c'est un de ces bordels en dessous de moi.
Il y a un nid de rouge. Je t'ai perdu. J'ai mon nid qui est en train de chauffer. Une bouteille chauffe. Ah ouais, t'es là. Ouais. Ah, j'ai des gros drops sur mon strip, tu vois, ça commence. Moi, après, je sais pas. Chrony, le stream, il est fluide. Mon viewer de l'extrême, hein. dis-moi, est-ce que mon stream est fluide? Je vous ai vu là, du coup je suis en train de monter aussi. Ah là. Je montais tout ce dire à deux. Ah ok. Perdu il est mort normalement. Ah c'est bon, il est dead. Il est mort. Encore des bombardiers en vue là. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, il y a un pote B25. Le 25. Ah mais c'est un collègue, celui qui est à 9 km. Ah mais je crois des bombardiers ennemis. Ah bah ouais, non mais là j'en vois pas des ennemis. On va descendre. Ah si, il y en a un, il y en a un, ouais. Un qui est en train de piquer là. Oui. Il y a un peu trop aussi là. Mais tu crois moi je descends. Ouais, c'est ce que je fais aussi là, je suis en train de suivre le I-185 là. Il va aller se faire notre pote la Vasco da Gama. Putain, il a retourné. Là, il me l'a fait à l'envers dans les nuages. Lol, mais c'est une fusée son truc là. Ouh. Bah allez, mort de rire quoi. Moi j'arrive pas à le viser, lui arrive à me viser quoi. Avec son vieil avion de merde. On va prendre le TBF hein. Y'a pas de bombardier, on a rien du tout plus loin. Alors on a deux B25 chez nous, mais je sais pas ce qu'ils font. Sérieux là, vous rentrez dedans comme ça? Ouais, ça c'est. J'ai l'impression que c'est un sport national dans le jeu quoi. C'est de faire un face à face avec un mec et lui rentrer dedans pour le finir quoi. Et lol, putain, vas-y, je prends une. Je prends encore un vieux tir de merde, quoi. Lol, j'ai plus d'ailes. J'ai les deux ailes coupées, quoi. Avion détruit. 217, tu vas tomber.
T'as mine de rien, depuis tout à l'heure on résiste avec pas grand chose. Ah, j'ai mes roquettes. J'ai mon avion avec deux bombes de roquettes. Mais non, t'es sérieux là? Bah, défonce que ça trouve à l'arrière. Oh, c'est injuste. Ah putain, on va perdre. On va perdre. On a plus de points d'avance. Ouais, ça y est, c'est fini. Putain, même pas pu avoir le dernier que je chassais, quoi. J'avais encore fait une partie de merde. Tu fais quoi? T'en refais une ou t'arrêtes là? Non, je vais stream sur Agarium. LOL. Agarium. C'est pas bon Agario alors. Vas-y mec, à tout à l'heure. Vas-y ouais. Et bonne droite. Bon. Bah du coup je vais m'arrêter là, je vais aller manger. C'est l'heure de manger. On va se mater un petit film mais on va manger. Alors, juste un petit truc, ça c'est le petit kiff avant de partir. Alors, c'est vraiment le petit kiff avant de partir. Hein. Hop. Quoi? Alors, donc, mon petit kiff, avant de rendre l'antenne. Alors. Un portugais dans une série, hein. Merde. Alors, voilà, donc, merde. Putain, décidément, il va me faire chier avec ça. Voilà, alors, donc, mon petit kiff avant de partir, avant d'aller manger. Faut juste que je retrouve le truc, ça pourrait être sympa. Paf, 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 paf. Tiens, je vais le faire sur ça. Hop là. Hop là. Hop là. Ok. Je suis pas sûr que. Est-ce qu'on voit? Non, on voit pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il faut pas que je dépêche ça?
Ah ouais, mais si je l'active pas, ça risque effectivement de pas marcher. Alors, peut-être comme ça marchera mieux. Alors, pourquoi il n'appelle pas capture de la fenêtre? Ok. Capturé. Voilà. Alors, mon petit kiff, c'est ça. Monde le masse sous la tête! C'est moi qui le piche tous les! Arrêtez de fiche ma gueule! Arrêtez de fiche mon gueule! Hé! Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Moi, c'est Mohamed. Écoute-moi, mouillou merde. Je te préviens, je vais te tirer une balle sur ton tête. Ton tête va exploser comme une pastèque, hein? Ou une pastèque. C'est comme le fruit, le légume, le carotte, le navel. Arrête là, hé! Hey! Hé, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux te chauffer? Tu veux te chauffer? Comment tu t'appelles? Je répète, comment tu t'appelles? Moi, c'est Jeannette. Écoute-moi, Jeannette. Non, non, je vous une petite braquette parce que je travaille à terminer au Portugal. Ferme ta gueule. Monsieur Dogalves, monsieur Dogalves, ne bougez plus ici, le GIGN. Ouh là là, carré, le GIGN. Non, GIGN. GIGN. Non, GIGN. GIGN, c'est ce que je dis. Monsieur Dogalves, quelles sont vos revendications? Oh, je veux un hélicoptère. Un quoi? Un hélicoptère. Ça suffit. Un quoi? Un hélicoptère, caray! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un avion avec du gelish! Un délice? Non, un hélicoptère, arrêtez de fiche ma gueule! Ok, calmez-vous. Est-ce que vous pouvez épeler le mot? Ouais, hélicoptère! Monsieur Docalves, si vous continuez, vous allez aller en prison. Et alors que je n'en fous, chez nous, le portugais qui avons construit, je connais toutes les sorties de secours! C'était juste mon petit kiff avant de vous laisser. On ne comprend pas ce que vous dites, quoi. Mais un portugais dans une série, un hold-up, essaie de comprendre ce qu'il dit. Poum! Pa! Et tout le monde nous met sur la Merde. tête! C'est moi qui le piche tous les... Allez hop, voilà. Bon, c'était mon petit trip. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard.